du blanc, il se passe du noir. Je vous annonce du noir, il se passe du blanc. Parce que figurez-vous qu'à l'époque de la cour des miracles, mesdames et messieurs, c'est le royaume d'Argot. Et l'argot, il n'y a pas de bon mot pour exprimer le bon. On préfère les choses un petit peu sombres. Et par exemple, on utilise cet argot qui est aujourd'hui pour nous des jeux de mots. L'argot pour la cour des miracles, c'est un langage spécifique pour faire en sorte que personne ne soit au courant de ce que nous faisons. C'est-à-dire nous volons, nous mendions, nous nous faisons passer pour des faux malades. Et par exemple, quand on dit que on nie quelque chose, nier quelque chose, eh bien nous, à la cour des miracles, on dit pas nier, on dit aller à Niort. On utilise des sonorités. On utilise plein d'autres choses aussi, notamment au niveau de la religion. On avance, on transforme les mots. Et tout ça sera retransformé plus tard, notamment, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, à l'époque des Apaches. Les Apaches, 1900-1902. Oh là là, il y a du fouillis au fond, il y a personne qui écoute. Vous savez quoi, vous n'êtes pas d'accord, on vous a pas donné les bons desserts. Une fessée. Cunu. Ah oui. À votre regard, bizarre, hein. Non, alors attendez, parce que... Il est belge. L'oreillette gitane, qu'est-ce qu'elle me raconte, l'oreillette gitane? Vous dites pas que j'ai mon chapeau de traviole non plus, c'est super sympa, hein. Alors moi, je vous éclate depuis le début, mais alors vous, en retour, que dalle, hein. T'as ton chapeau de traviole. Je pense que c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Maintenant vous vous détendez, c'est pour la digestion. Parce qu'il y a un moment donné, on se retrouve tous et toutes au cœur de la cour des miracles. Et il faut donner toute la thune qu'on a volée dans toute la journée. Et puis il y a un moment donné, il y en a, on pense qu'ils sont faussement malades. Mais ils sont vraiment malades. Et on les recueille. Et on fait en sorte qu'ils aillent mieux. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Et donc, qui a dit Florence Foresti? Tu n'es pas la première à le dire. On sort du cadre. Tu n'es pas la première à le dire. Je l'ai entendu ces vers-là. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Mais dernièrement, on m'a dit Mini Foresti. Donc déjà qu'elle n'est pas bien grande, je pense que je me fais la Florence Foresti des nains de jardin. Ok. Donc... non mais je partais dans un truc très... Oh là là, comment vous êtes... Elle est où d'ailleurs celle qu'a dit Foresti là? Non mais vas-y. Non, je parle pas de Jean-Jacques Goldman. Tout est neuf et tout est sauvage, donc ça doit être vers là-bas. Ah, vous me faites un chef-d'œuvre, Jean. Merci Salvia Batrip, Jean. Ok, d'accord. Okay, c'est mon bizutage, quoi. Super. Ok, génial. Donc, je vous disais que des fois, oui, il y a des morts. De toute façon, ça va nous arriver à toutes et à tous. On ne sait pas quand ni comment, mais c'est pas grave. La vie est tellement. Qu'est-ce qui se passe? Une petite intervention. Non, tu peux me tutoyer, tu sais. Je sais qu'on est plein dans ma tête, mais quand même, tu peux me tutoyer. Il n'y a aucun problème. Aucun problème.